comment est née cette idée de cette collection de « Et si on se parlait » à l'attention des enfants? C'est parce que j'avais créé un spectacle qui s'appelle « Les chatouilles » qui parlait de pédocriminalité, une histoire qui m'appartenait, c'est une grande part de mon enfance. Et avec mon époux Éric Métayer, il a fait la mise en scène, on a fait un film et on s'est adressé énormément aux victimes de violences sexuelles qui, pour le coup, étaient déjà adultes et pouvaient reconsidérer tous les mécanismes de ces violences sexuelles et ce qui pouvait découler dans leur vie. Et je me suis dit, il me manque quelque chose si je vais à fond dans ce sujet. Et je me suis dit, tu ne t'adresses pas aux enfants. En fait, tu t'adresses éventuellement à des adultes, à des parents qui vont reconsidérer la manière de parler à leurs enfants. Mais j'avais besoin de m'adresser directement aux moins de 15 ans, aux enfants, pour qu'ils prennent conscience de leurs droits, de ce qu'est la loi, de ce que n'a pas le droit d'infliger un adulte, et tout simplement de savoir que la violence n'est jamais, jamais la normalité dans la vie. Alors pourquoi avoir écrit 3 livres plutôt qu'un seul? C'est parce que dans le spectre de l'enfance, c'est tellement large, de 0 à 15 ans, évidemment, ce n'est plus la même personne, un petit bébé à un adolescent de 15 ans. Ça a paru relativement logique, c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté avec l'édition. Il nous a paru cohérent de partir sur le principe des maternelles, des primaires et de l'entrée au collège. Ça s'est structuré de cette manière, puisque dans le spectre maternel, on peut parler de l'éducation bienveillante, de nommer les parties intimes, l'intimité, l'intégrité, l'addiction aux écrans. Voilà, il y a des choses qui peuvent vraiment tomber sur les maternelles. Sur le primaire, on a commencé à évoquer le harcèlement, on a commencé à évoquer les violences éducatives aussi. On l'évoque aussi dans le premier, mais d'une manière beaucoup plus douce. Enfin, on s'est vraiment adapté. Enfin, avec mon illustrateur Mathieu Tucker, on s'est vraiment adapté aux âges des enfants. Et c'est vrai que l'entrée au collège, on ne peut pas faire autrement que de parler de notions de consentement, de ce corps qui change, qui évolue, quelles sont les nouvelles sensations. Et se connaître soi avant de partager une intimité avec quelqu'un d'autre. Et également de parler des violences diverses comme la pédocriminalité, l'inceste, nommer les choses, être très clair sur, très précis sur les agressions possibles par Internet, par un étranger, par un proche. Voilà. Voilà pourquoi on a fait 3 ouvrages plutôt qu'un. Je pense qu'il faut s'adapter à tous les âges, c'est-à-dire que effectivement, on ne peut pas parler de la même manière de la pédocriminalité ou de l'inceste à un enfant de 4 ans comme on va en parler à un enfant de 14. Donc forcément, on est obligé de s'adapter. Maintenant, je crois qu'il faut aller au plus simple. Les adultes ont très peur de nommer les choses. Les adultes ont énormément de tabous. Alors, c'est vrai que la petite phrase sous « Et si on se parlait ?», c'est le petit livre pour aider les enfants à parler de tout sans tabou. Mais finalement, c'est plus à la direction des adultes. Les adultes doivent bousculer les tabous. Les enfants n'ont pas de tabous. C'est nous qui avons des tabous, les adultes, parce qu'on s'est construit avec énormément de barrières et de frustrations et qu'on a peur de faire peur. Et comme on a peur de faire peur, et bien, finalement, on génère des secrets, on génère des non-dits, on génère des silences. Et nos enfants ne peuvent pas faire confiance, ne peuvent pas être libres d'évoquer simplement et de manière cohérente les violences qu'ils peuvent subir ou au contraire des choses très simples de la vie comme papa, maman, j'ai un problème à l'école, il y a un petit camarade qui se comporte pas bien avec moi. Aborder les choses très simplement. Je crois que c'est vraiment pour cette raison que j'ai écrit ces livres et qu'ils ont été illustrés aussi pour que ce soit ludique, pour que ce soit concret, simple, efficace et surtout pour permettre aux gens de parler entre eux, aux familles de parler entre eux, aux enfants et aux adultes de parler entre eux et de pouvoir partager les choses. Oui, ça m'a paru évident de clôturer chaque chapitre et chaque témoignage avec la question « Et toi ?» « Et toi, comment ça se passe chez toi ? Comment ça se passe dans ta vie ? Comment tu vis les choses ?» pour permettre encore une fois à l'enfant de prendre la parole avec la personne avec qui il lit le livre, ou avec ses copains, ou avec ses profs, ou avec l'institution, ou avec le médecin, ou avec les parents. Il y a plein, plein de solutions. Forcément, la question allait se retourner, c'est-à-dire qu'il était important pour moi de créer des témoignages de manière à ce que l'enfant puisse s'identifier
au petit enfant qui raconte ce qui lui arrive. Et le « et toi », tout le principe documentaire derrière, sur le petit mémo de « attends, tu vois, les lois, c'est comme ça, on n'a pas le droit de te faire ça, si ça t'arrive, va voir un adulte bienveillant, il y en a autour de toi, j'espère que les adultes seront à la hauteur pour recevoir ces paroles-là ». C'était fondamental de retourner la question, forcément, au lecteur, sinon, c'est pas que ça ne sert à rien, tout sert. Mais ces informations-là et de poser la question au lecteur, vu que le principe du livre, c'est d'aider un enfant à s'exprimer et d'aider un adulte à recevoir une parole, bon, forcément, ça coulait de source de terminer chaque témoignage par ce petit chapitre « Et toi, comment ça se passe ?» Il y a 165 000 enfants qui sont violés chaque année en France. Il y a un enfant qui meurt sous les coups de ses parents tous les 4 jours. Donc aider un enfant, ce n'est plus une option, ce n'est pas un luxe, c'est un devoir. Il faut aujourd'hui que les adultes prennent conscience qu'ils ont le devoir d'être présents et de mener beaucoup mieux cette société à l'égard des enfants. On a un vrai problème sur la condition de l'enfance en France, donc il faut se poser les vraies questions et on n'a plus le temps de réfléchir, il faut agir. Donc j'espère vraiment que les adultes vont prendre conscience de leur devoir envers les enfants.